Vous savez, quand vous vivez chez les gens, il y a des principes qu'il faut savoir respecter. Vous vivez chez les gens pour quelconque raison, pour des difficultés peut-être, difficultés d'argent, manque de position sociale. Vous vous retrouvez chez une personne, une tierce personne, qui vous abrite, vous nourrit, prend soin de toi. Il faut savoir comment se comporter. Vous vivez chez les gens, vous n'avez pas d'argent, vous êtes en difficulté. Vous ne pouvez pas rester toute la journée allongé, couché, depuis 6 mois, à ne rien foutre. Ça ne marche pas comme ça. La différence entre l'être humain et un chien est que l'être humain sait comment avoir honte. L'être humain a un sentiment de caractère, d'inconfort. Et si vous perdez cette capacité, vous ne devenez pas mieux qu'un chien. Vous venez chez les gens depuis longtemps, même si c'est votre frère. Et vous n'avez absolument rien foutu depuis 5 mois. Vous ne faites que manger, finir les papiers toilettes, dormir, prendre la télécommande, gêner les enfants quand ils regardent leur dessin animé. Il faut avoir de la maturité. Vos problèmes ne sont pas la responsabilité de votre grand frère. Non. Il arrive un moment où il faut savoir prendre charge de sa vie. Votre grand frère, à partir du moment où il se marie, il fonde une famille, il devient plus l'épouse à sa femme que votre frère. Oui, c'est ça la réalité. Ne me parle pas d'Afrique, parce que c'est la raison pour laquelle l'Afrique a du mal à avancer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui essaie d'émerger, qui essaie d'avancer, un frère qui se bat, se débrouille en entreprise ou en commerce, aussitôt que nous remarquons cela, tout le monde, tout un troupeau derrière lui veut le tirer de bas. Lui il a l'argent, on va se servir de son argent. Ah, lui il a l'argent, on va aller vivre chez lui. Voilà pourquoi les gens ont du mal à avancer. Pendant ce temps, dans d'autres communautés, quand une personne avance, progresse, on le laisse avancer, on le laisse respirer. On l'accorde cette liberté de pouvoir vivre, de pouvoir avancer et grandir encore davantage. Vous vivez chez les gens, vous n'avez pas d'argent. Achetez même un pain, ok? Achetez du pain le matin, mettez dans la cuisine. Vous vivez chez les gens, vous n'avez pas d'argent. Achetez même de l'huile, mettez dans la cuisine. Si vous n'avez vraiment pas d'argent, offrez votre service. Je vais laver les assiettes aujourd'hui, gentiment. Ça ne vous diminue en rien. Si vous êtes une femme, offrez de servir en cuisine. Ça ne vous diminue en rien. Même si vous êtes plus âgé ou peu importe, même si vous êtes l'ami à son grand frère, peu importe votre position sociale. Vous savez, tout le monde aime avoir autour de soi une personne qui lui apporte quelque chose de positif. Autant vous êtes content de vivre chez votre ami, compatriote, frère, autant ils veulent voir une certaine positivité venant de vous. Offrez quelque chose de positif. Vous savez, ceci est même le même principe est applicable quand vous avez quelqu'un, un ami avec qui vous faites de courses. Vous sortez avec une personne qui disponibilise sa voiture pour faire de courses à votre avantage très souvent. Vous faites des courses toute la journée, vous roulez en voiture et à la fin vous sortez de votre voiture après avoir justement bénéficié des avantages, vous avez fait vos courses aussi à travers cette journée, vous sortez, vous n'offrez même pas un petit 10 euros pour dire mon ami on a beaucoup roulé ensemble aujourd'hui, prends ça tu vas mettre le carburant. Pourquoi? Ah non lui il a l'argent. Ah, ou c'est mon ami. Vous pensez que la voiture roule avec l'amitié. C'est l'amitié qui va remplacer le carburant. Il faut savoir se gêner dans la vie, avoir honte. Si vous n'avez pas d'argent, faites même semblant d'offrir. C'est ça la personnalité, le caractère. Beaucoup de gens veulent être respectés sans vraiment avoir un caractère digne de respect. Le respect ne s'offre pas gratuitement. Le respect se gagne, se mérite, en Suisse, se maintient. La maison de votre frère, ce n'est pas votre maison. Non, la maison de votre sœur, votre cousin, votre compagne, ce n'est pas votre maison. Il faut savoir avoir honte. D'accord, vous pouvez rester chez une personne pendant quelques temps. Vous ne pouvez pas y rester pendant 6 mois, 7 mois, 9 mois. Vous gênez les gens. Et beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent, parce qu'ils ne veulent pas vous vexer. L'être humain, c'est aussi une personne capable d'examiner son entourage, comprendre l'émotion des autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Comprendre ce qui se passe, lire entre les lignes. Tout le monde ne peut pas exprimer son mécontentement. Tout le monde ne peut pas vous dire, il faut quitter. Il faut savoir que je suis là depuis un moment. Maintenant, il faut partir. Je peux chercher un truc à 15$, à 10$, à 25$ et vous cherchez comment m'avancer dans la vie. Vous voulez recevoir des gens, il faut savoir offrir en retour. Donner de soi. Donner quelque chose de positif dans la société. Pas seulement vouloir recevoir, recevoir parce qu'on a un lien de sang, un lien de famille, un lien d'amitié. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez un ami qui a de l'argent. Son argent n'est pas votre argent. Ce n'est pas parce qu'il a réussi dans la vie que... Non, 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 absolument pas. Bien sûr, il pourrait, dans certains cas, évidemment, être là, présenter son aide ou dans certains cas, vous apporter soutien. Mais si cette personne ne vous apporte rien de positif, vous n'avez pas le droit de lui en vouloir. Ce n'est pas une obligation de sa part de vous chercher un travail, de vous trouver une position dans son bureau. Absolument pas. Vous ne savez pas dans quel concept, dans quelle situation, dans quel paramétrage il a été installé dans cette position. Et vous voulez qu'il le fasse pour vous parce que vous avez été proche ou peu importe ce que c'est. Changeons de comportement. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Mes amis togolais, j'espère que vous êtes prêts. À très bientôt, ce 17 août 2019, dans la salle EcoBank Conference Center à Lomé.
Ciao, ciao. À la demande de nombreux participants et partenaires privilégiés, le Leadership Africa Summit